He's a shady character. What's his name? It ain't nothing like a fist full of cash or a blitz full of the hash that twists like a moustache from end to end, spread it like a rash from talking through your Walkman or at your disco bash. Give me the Tim's Rumble, still skin brown, a metal face mask with a boom out, a mic to tilt down 100,000 pounds and see how guilt sound like spilt milk, clown. Cocoa butter on a very ashy day, fam. Ray-Bans out on the islands of Cuba. Or I break it down for the layman. Band-Aid Soleil for the Saint-Tropez. Tan a can of old gold, too cold to hold, slow your roll. Keep on moving like soul to soul, holding dough. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour un essai exceptionnel avec la nouvelle Ferrari Roma. Lorsqu'elle a été lancée, la Ferrari Roma, ils ont fait une énorme campagne de communication sur ce slogan, la Nuova Dolce Vita, la nouvelle douce vie. Et je vais lire le communiqué de presse Ferrari. La Roma repose sur le concept la Nuova Dolce Vita, mode de vie de la ville éternelle, Rome, Roma si t'avais pas encore compris, des années 50-60, caractérisée par l'insouciance et la joie de vivre. Donc on va vérifier si c'est bien vrai. La Roma, c'est un nouveau segment chez Ferrari. C'est un coupé de plus, luxueux, GT et sportif. Il vient un peu aux côtés des Portofino, 812 Superfast et GTC4 Lusso qui sont plus GT que sportifs, contrairement aux F8, SF90, etc., etc. Ce qui la caractérise, je trouve, c'est vraiment la pureté et l'élégance absolue de son style. Et c'est vraiment la traditionnelle berlinette à moteur central avant, telle que les 250 GT Lusso, 250 GT 2+2, dont vraiment la Roma s'est inspirée. Chose à noter aussi, c'est la première Ferrari qui a été présentée au public sans les badges iconique, les écussons Ferrari sur les ailes avant. Évidemment, ils sont disponibles en option, mais c'est la première fois qu'on présentait une Ferrari sans ces badges sur les ailes avant. Vraiment, le style, il est... Je la trouve tellement élégante. Beaucoup de gens ont dit, quand elle est sortie, et continuent à dire qu'elle ressemble à une Aston Martin. Je suis assez d'accord, et franchement, c'est un compliment. Aston Martin fait les lignes les plus pures et les plus classes au monde. C'est un énorme compliment. Ferrari a mis cette nouvelle grille à l'avant qui permet de refroidir le moteur ainsi que la boîte de vitesse, qui est une réinterprétation de la calandre, en fait, du concept même de calandre, qui est un panneau perforé plutôt que juste une grille. On a des nouveaux feux full LED Matrix qui ont été inaugurés sur la SF90 Stradale, qui ressemble d'ailleurs un petit peu au feu de la Monza, je trouve. Très jolie avec cette barre de LED tranchante qui fend le feu un petit peu en deux. La voiture dispose ici de jantes de 20 pouces qui abritent de grands freins carbone céramique 390 mm à l'avant pincés par des étriers fixes à 6 pistons et 340 à l'arrière pincés par des étriers fixes à 4 pistons. Ici, chaussée de Michelin Pilote Sport 4S. Les mêmes pneus que j'ai sur l'Audi S5 qui sont des très bons pneus pour toutes les conditions sauf la neige, on va dire. Et regardez l'arrière, enfin le profil déjà qui est magnifique avec cette ligne qui part du toit et qui descend, cette ligne fastback en fait. Le style est vraiment très très pur. Vraiment, les ornements et les détails superflus ont été éliminés. On n'a plus non plus les feux ronds à l'arrière, mais des phares sculptés en trois dimensions avec une section horizontale qui comme ça traverse tout l'arrière de la voiture, qui est vraiment très jolie, cette petite casquette à l'arrière de la voiture. Et ici, un aileron qui est intégré, un aileron mobile qui va se lever sur trois positions, mais dont on ne peut pas actionner le mécanisme via un bouton. Il monte et il descend tout seul en fonction de ta vitesse et de la position du manettino. La Roma, c'est vraiment le coupé 2+ GT qui est fait pour ces routes. Les routes du bord de mer de la Côte d'Azur. Un coude à la portière, une main sur le volant et la douce mélodie du V8 biturbo qui vient te chatouiller les oreilles. Ferrari a d'ailleurs annoncé avoir vraiment travaillé la ligne d'échappement pour qu'elle fasse une belle sonorité, parce que désormais, depuis fin 2019, les voitures sont fappées. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Ferrari, pour qu'elle fasse une belle sonorité? Ils ont tout simplement enlevé les silencieux. C'est une GT, une voiture qui est quand même destinée au voyage, donc je vous montre le coffre. Alors, dans le coffre, tu peux mettre quand même pas mal de choses. Il n'est pas immense, mais il est assez profond, donc tu peux mettre plusieurs sacs sans problème. Ici, tu as la petite plaque qui indique toutes les options. Et Ferrari insiste bien, c'est pas une 2+2, c'est pas une 4 places, c'est une 2+. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si tu rabats le siège arrière, voilà, t'as quand même deux petits sièges, deux petites places avec des ceintures de sécurité. Mais en fait, le problème, c'est que si t'as des jambes, ça va moins bien marcher. Et ça va être une deux places avec laquelle tu pourras mettre des choses dans le coffre et surtout beaucoup de bagages derrière s'il y a personne. Maintenant, on a un système d'ouverture sans clé qui laisse. Ici, l'intérieur est très luxueux, très joli. Seuil de porte en carbone. Porte Alcantara, ici liseré rouge et cuir sur piqûre, c'est vraiment très très joli.
On a des sièges plutôt type GT, mais avec un côté sport, avec l'Alcantara et les surpiqûres. C'est très très joli, le petit rappel du Cavallino sur l'appui-tête. Et elle reprend globalement l'instrumentation très digitale qui est apparue sur la SF90 Stradale. Notamment ce compteur de 16 pouces incurvé, sur lequel tu peux afficher différentes choses, et que tu contrôles via ce petit touchpad, on va dire. Tu peux changer les modes d'affichage, le régler comme tu veux avec ton compteur, que tu peux même changer de couleur. En plus de ces deux écrans qui reprennent le concept de dual cockpit chez Ferrari, avec l'écran passager sur lequel tu peux naviguer, voir les performances de la voiture et régler différentes choses, on a cet écran central qui est vraiment une petite tablette intégrée au tableau de bord. Et ici les contrôles de boîte qui reprennent l'iconique grille de boîte de vitesse mécanique des anciennes Ferrari. Ça c'est vraiment un détail très joli. Bon, il y aura un petit peu des traces de doigts, mais ça c'est vraiment magnifique. Chose que je regrette vraiment sur ces nouvelles Ferrari, c'est l'absence de bouton start. Avant j'adorais moi mettre la clé et appuyer sur le bouton start qui était ici. Et maintenant on n'a plus qu'un bouton tactile sur le volant, tu vois, c'est, ça marche comme ça, c'est tactile. Bon, tu mets le pied sur le frein, ça démarre, mais je trouve qu'ils auraient pu garder, même en keyless, comme sur les 488, le gros bouton rouge start. Ça, je trouve ça dommage. On a un nouveau Manettino qui est redessiné un petit peu. Les différents modes de conduite ne sont pas directement écrits ici, mais ici, quand tu les bouges, en fait, tu vois, ça bouge en même temps que le bouton. Grande palette fixe en carbone, shift light, tu sais ce que ça veut dire, il y a quand même un V8 3 litres 9 biturbo de 620 chevaux, 760 Nm de couple. On est bon pour un 0 à 100, 3 secondes 4, 0 à 200, 9 secondes 7, 320 km/h de pointe. Même si c'est une GT, Dolce Vita, tout ça, c'est Dolce Vita un peu énervata, tu vois. Et dès le ralenti, on a en fait un très gros bruit. Ouh, ça pète à haut régime. Waouh. Allez, on y va. En fait, pour une fois, on va tester le mode confort après, parce que là, on est sur une route sympa. Donc, je mets tout de suite en sport. On appuie ici manuel. On a les mêmes palettes qui font un sacré bruit d'ailleurs que sur la SF90. Les pneus sont froids, donc on va tâcher de mettre un petit peu de température, mais ce qui est bien, c'est qu'on a un graphique qui nous indique la température des pneus. Là ils sont encore en warm-up. Et cette fois on est sur une propulsion. La SF90 c'est une 4 roues motrices, 2000 chevaux. Là on est sur une propulsion de 620 chevaux, 760 Nm de couple. Donc avec des pneus froids, il faut quand même faire attention aux sorties de courbe si tu remets les gaz. Et ça pousse fort. Regardez-moi ce scénario, cette route magnifique. Et cette voiture, la Nuova Dolce Vita, qui est faite pour cruiser en fait sur la French Riviera, ou la Riviera italienne. Waouh ! Ah, ça a un sacré punch quand même. C'est une GT, mais quand tu mets le pied au plancher, la voiture te rappelle que sur le capot il y a un badge Ferrari. Est très directe, la pédale de frein est très sensible, c'est agréable, on a du mordant. Et la sonorité surtout, elle est vraiment pas mal. Hein. On va ouvrir un petit peu les vitres. Waouh. Vitre ouverte, on entend encore plus le turbo, le souffle du turbo. Donc là on est sur le 3 litres 9. On est bon pour un 0 à 100, 3 secondes 4. Et un 0 à 200, 9 secondes 7. Ce qui est ouf dans ce V8 Ferrari, c'est qu'il n'est pas creux du tout à bas régime. Contrairement au V8 biturbo de Volkswagen par exemple, qu'il y a dans RS6, Continental GT, Panamera Turbo S. Ici, dès les bas régimes, t'as une poussée qui est très forte. T'as pas autant ce coup de pied au cul comme chez Volkswagen. Ah, écoute la sonorité, il y a un petit muret.
de la California, mais qui est une supercar, alors que la California, c'est une GT. On va mettre un petit coup de mode race, voir si la... Ah oui, on va les laisser passer, parce que... Décélère, il y a des petits retours. La sonorité est vraiment belle. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que la grille à l'avant, enfin la surface perforée qui réinterprète le concept de grille, peut être choisie en différents coloris, donc couleur carrosserie, chrome, etc. Et tu peux avoir quelque chose d'assez contrasté. Ah, je vais réouvrir les vitres, c'est un petit peu sympa quand même. Et puis c'est une voiture qui s'apprécie comme ça, hein. Vitres entrouvertes. Les shift lights qui s'allument sur le volant quand t'as assez de courage. C'est... Si tu t'attendais à une petite GT tranquille... Détrompe-toi, c'est très efficace, très féroce. Après, voilà. T'appuies sur le petit bouton du manettino, il n'y a plus de bouton route bosselée, maintenant t'appuies directement sur le manettino. Tu mets en mode route bosselée, les suspensions deviennent un petit peu plus souples. Et regarde, c'est ça la nouvelle Dolce Vita en fait. T'es sur la route, coucher de soleil, et tu profites de cette mélodie. Ça grogne quand même, tu vois, 4e, 40 km/h. Ah, c'est sympa. On va mettre un petit coup de race, voir ce que ça donne, si ça change quelque chose. Manettino qui évidemment contrôle l'anti-patinage ainsi que le SP. C'est vraiment un bonheur cette Roma. Elle est magnifique. L'intérieur est magnifique. Vraiment ce dual cockpit avec les deux parties symétriques, c'est très très joli. Et cette sonorité. Pour un V8 biturbo, c'est quand même franchement sympa. On a même des petits rangements ici sur les côtés de la colonne centrale pour ranger ton téléphone. Des prises USB, Apple CarPlay, enfin toutes les technologies modernes. On a tout sur le volant, les clignotants, les essuie-glaces, ah, je suis en neutre, les pleins phares, le régulateur de vitesse adaptative désormais sur la Roma, avec un radar évidemment qui ralentit, si devant toi ça ralentit. On a aussi les caméras 360 degrés qui permettent de te garer plus facilement. La voiture fait 1m97 de large, mais quand t'es dedans, tu comprends vite les proportions. Elle n'est pas très très difficile à conduire. Oh là là, j'adore. La Roma dispose aussi de la nouvelle boîte qui a été inaugurée sur la SF90 Stradal, à laquelle on a ajouté une marche arrière, parce que sur la Stradal, elle faisait 10 kg de moins que avant, notamment parce qu'il n'y avait pas besoin de marche arrière, vu que la marche arrière était uniquement faite avec les roues avant, les moteurs électriques. Donc ici on a une boîte à double embrayage à 8 rapports qui est plus légère qu'avant. 8 rapports, les rapports sont plus courts, donc on a une meilleure accélération, et avec le 8e rapport on consomme moins d'essence. La boîte est peut-être calibrée un petit peu plus GT que sur les modèles sportifs à moteur central arrière. Elle est très rapide, mais il y a un petit peu plus un délai, je trouve, au passage de vitesse que sur les modèles sportifs. Quand le turbo se met en route quand même. Bon, c'est la fin de cette vidéo bilan sur la Roma. Bah, elle est aussi agréable à conduire que à regarder. C'est pour moi une des plus belles Ferrari avec la Monza qu'il y a eu depuis des années. Franchement, le style est hyper beau. J'étais pas fan des 488, F8, la pista je la trouve très jolie, mais c'est pas élégant. Celle-ci, c'est de l'élégance et de la classe pure, avec un caractère et un moteur de Ferrari, c'est génial. À conduire, c'est très agréable, tu peux cruiser, tu peux attaquer férocement. Juste petit reproche, ouais, c'est le côté digital du bouton start, bon, c'est de la pinaillerie. Et ces sièges, ils sont très jolis, mais je les trouve un petit peu moins confortables, paradoxalement, que ceux qu'il y avait dans la SF90, alors que c'est plutôt avec celle-ci que tu vas faire des longs trajets. Donc j'aurais aimé les sièges confort, vraiment confort, mais je pense que tu peux les avoir dans la Roma. J'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Cet essai ainsi que celui de la SF90 a été rendu possible grâce à Ferrari SF Côte d'Azur, la nouvelle concession Ferrari à Cannes. Maintenant, Ferrari s'est réimplanté en Provence aussi, à Aix-en-Provence.
Attention, la voiture va parler. J'ai déclenché le système audio, je ne sais pas comment. Que voulez-vous dire? S'il vous plaît, sélectionnez un élément en prononçant son nombre. Voilà, c'est le côté tactile, je vous ai dit, on maîtrise pas tout si on connaît pas bien la voiture. Voilà, merci à Ferrari SF Côte d'Azur. Un immense merci à eux et à Guillaume. J'espère qu'on aura d'autres aventures ensemble avec SF Côte d'Azur qui sont aussi sur Instagram et que je vous invite à suivre. En attendant, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette Roma. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. It ain't nothing like a fist full of cash or a blitz full of the hash that twists like a moustache from end to end, spread it like a rash. From talking through your Walkman or at your disco bash. Give me the Tim's Rumble, still skin brown. A metal face mask with a boom down. A mic to tilt down 100,000 pounds and see how kilt sound like spilt milk clown. Cocoa butter on.